Bonjour, donc aujourd'hui donc je vais vous présenter la pharmacogénétique des traitements psychotropes. Donc je suis le docteur donc Sylvie Caranta du laboratoire donc de pharmacocinétique et toxicologie du Biogénopole de la plateforme PRISM et j'exerce également mes activités donc notamment sur la pharmacogénétique au laboratoire donc de biologie moléculaire de la conception également de la PHM. Donc, cette présentation va s'articuler sur plusieurs points, avec un plan et une introduction sur la pharmacogénétique. Qu'est-ce que la pharmacogénétique? Quelle est l'implication de la pharmacogénétique dans la pharmacocinétique des médicaments? Puis nous verrons donc les gènes d'intérêt en psychiatrie avec donc les cytochromes P450, donc qui sont des enzymes de phase 1. Les relations donc génotype, phénotype, prédit qui vont nous permettre de déterminer donc le profil phénotypique des patients en fonction donc du génotype retrouvé. Les recommandations donc de pharmacogénétique pour des couples gènes médicaments avec donc des recommandations essentiellement internationales qui sont mises à jour régulièrement sur le site PharmGKB et avec donc un certain nombre d'exemples sur des traitements donc antipsychotiques et également des traitements donc antidépresseurs et nous finirons par un focus sur les particularités du métabolisme donc de la clozapine. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la pharmacogénétique et quels sont les objectifs d'une analyse pharmacogénétique? Eh bien donc, il s'agit de l'étude des variations interindividuelles qui sont d'origine génétique. Donc il s'agit de variations de séquences d'ADN avec la recherche donc de variants dans l'ADN des patients en relation uniquement avec la réponse aux médicaments. Donc quand on parle de réponse aux médicaments, c'est la réponse en termes donc d'efficacité ou en termes donc de toxicité. Donc les objectifs sont multiples. Premièrement, donc c'est l'identification des variations de réponse aux médicaments donc d'origine génétique. On identifie des variants qui sont donc connus principalement pour la pharmacogénétique. On n'est pas dans un cadre de recherche, on est dans un cadre donc de routine hospitalière. Et nous avons ensuite donc l'étude des mécanismes moléculaires qui sont responsables de ces variations. Nous avons l'évaluation donc de leur importance clinique. Donc, en termes, une fois qu'on a identifié un profil phénotypique, donc est-ce que ça a un impact donc sur l'efficacité ou sur la toxicité des médicaments qui sont substrats? Et l'objectif de la pharmacogénétique, c'est de pouvoir donc déterminer et développer des méthodes simples d'identification des individus, notamment des patients à risque et susceptibles donc de variations, et notamment donc applicable avant l'administration du médicament. Et donc, ça rejoint donc les objectifs qui sont donc il s'agit donc d'une discipline en pratique qui a pour objectif donc de prédire la réponse thérapeutique à un médicament de façon à pouvoir individualiser la posologie ou proposer donc une alternative thérapeutique et ce avec le support du suivi thérapeutique pharmacologique donc traditionnel donc avec le dosage plasmatique des médicaments psychotropes et ensuite l'objectif c'est de prévenir la survenue d'un effet indésirable. Donc ces tests vont être réalisés donc en amont de la mise sous traitement ou à la mise sous traitement, de façon à pouvoir orienter le plus rapidement possible le clinicien sur une adaptation de posologie ou une alternative thérapeutique en fonction donc du profil métabolique. Dans un autre contexte qui est un contexte rétrospectif, on peut également donc comprendre le mécanisme de survenue d'un effet indésirable où on va pouvoir expliquer ou pas, donc infirmer ou confirmer, une origine génétique. Alors, quand on parle d'origine des variations interindividuelles de réponse aux médicaments, c'est que lorsqu'un médicament est administré donc à un patient, on s'attend à avoir une réponse qui va être variable et qui va donc osciller entre une inefficacité et une toxicité, et une efficacité et une tolérance. Et cette réponse est donc en fait va dépendre d'un certain nombre de facteurs de variabilité qui vont être des facteurs donc
physiopathologiques, l'âge, le sexe, la grossesse, la sévérité de la pathologie, les fonctions, donc les altérations des fonctions rénales et ou hépatiques, des facteurs ensuite donc environnementaux, qui vont pouvoir être l'alimentation, le tabac, qui est un puissant inducteur enzymatique, l'alcool également, la co-administration des médicaments, donc avec ces notions donc d'interaction médicamenteuse qui font qu'il va y avoir une variabilité de réponse qui va être importante donc aux médicaments en lien avec des co-administrations. À côté de ces facteurs de variabilité, on va retrouver des erreurs médicamenteuses, donc dans l'indication, dans la posologie, dans l'utilisation, dans la compliance au traitement. Tout ça va faire en sorte que on va avoir une réponse plus ou moins, une efficacité plus ou moins importante, une tolérance plus ou moins importante. À côté de ces facteurs, il y a donc également les facteurs donc génétiques, ce qui nous intéresse donc aujourd'hui avec ce qu'on appelle les polymorphismes génétiques. Polymorphisme génétique, ce sont donc des variations qui vont être retrouvées au niveau donc des enzymes du métabolisme, mais également au niveau des transports, des récepteurs de transport des médicaments, des cibles immunologiques et du système de l'immunité, donc les systèmes HLA. C'est la recherche donc de ces polymorphismes génétiques, quels qu'ils soient, vont avoir pour objectif de permettre une médecine prédictive et personnalisée avec des adaptations de posologie et ou des propositions d'alternatives thérapeutiques. Donc l'ADN, quand on utilise donc la pharmacogénétique dans la personnalisation des traitements, eh bien on s'aperçoit que la population est différente et qu'il y a donc une implication de cette pharmacogénétique dans la variabilité donc pharmacocinétique, donc dans la réponse aux médicaments, donc avec de l'efficacité et une bonne tolérance, une mauvaise efficacité mais une bonne tolérance, une intolérance et une mauvaise efficacité et une mauvaise tolérance mais une efficacité. Et donc, c'est là où la pharmacogénétique prend toute son importance, puisque si on regarde donc les traitements conventionnels versus une médecine donc prédictive et personnalisée, eh bien pour cet exemple, si dans un traitement conventionnel on donne la même posologie, quel que soit le profil du patient, eh bien on va s'apercevoir que les patients qui sont déficients, c'est-à-dire qui présentent des variants, eh bien vont avoir une exposition va être donc augmentée et en lien donc avec une toxicité qui va être cumulative. Donc ça, c'est l'exemple effectivement de l'Imurel, pour lequel donc on a la possibilité donc de mesurer l'exposition des métabolites de l'Imurel qui sont en lien avec l'efficacité, mais qui sont aussi en lien avec l'hématotoxicité. Et donc il y a une toxicité cumulative très importante chez les patients qui sont métaboliseurs lents, c'est-à-dire qui n'expriment pas l'enzyme en question. Et à l'heure actuelle, dans les RCP de l'Imurel, il y a donc des recommandations d'adaptation de posologie en fonction du profil, donc profil normal, profil intermédiaire ou profil lent, ce qui fait que on va lisser cette toxicité et cette toxicité cumulative, ce qui fait qu'on va limiter la toxicité tout en maintenant une certaine efficacité. Alors, pour ce qui est donc de la pharmacogénétique des psychotropes, le contexte médical est tel que donc il y a plus de 7% de la population mondiale atteinte d'une maladie mentale, avec plus d'une centaine de médicaments donc psychotropes disponibles, mais cependant un pourcentage d'amélioration et de rémission clinique qui est loin d'être optimal. Donc il y a également pour ces médicaments psychotropes de nombreux effets indésirables et de nombreuses causes donc toxiques. Ces patients sont souvent
polymédiqué, donc avec un risque important d'interaction médicamenteuse, au sein même, hein, sans parler des comorbidités, mais des risques d'interaction médicamenteuse liés à la prise concomitante d'antidépresseurs et d'antipsychotiques. Et donc, la nécessité d'une individualisation thérapeutique avec donc un apport qui permet donc cette médecine prédictive et personnalisée. Pour cela, donc, nous avons à l'heure actuelle des outils qui sont disponibles, mais qui peuvent être, selon les régions, selon les pays, insuffisamment utilisés. Et donc, ce sont des outils qui sont utilisés donc en routine hospitalière, qui sont donc des outils de pharmacogénétique, d'une part, et de suivi thérapeutique pharmacologique, donc de dosage plasmatique des psychotropes. Alors, quand on regarde les papiers qui sont relativement récents, hein, des articles récents, on peut voir que nous avons à disposition des informations donc pharmacogénétiques pour près de 215 médicaments approuvés par la FDA. Et dans ces 215 médicaments, il y a environ donc 21% de ces informations pharmacogénétiques qui concernent des médicaments utilisés en psychiatrie. Et parmi donc ces médicaments utilisés en psychiatrie, il y en a environ 70% qui sont métabolisés par le CYP2D6, ce qui fait du CYP2D6 un gène d'intérêt en psychiatrie. On enchaîne donc sur les gènes d'intérêt en psychiatrie. On va dire que dans les médicaments donc principalement métabolisés par les cytochromes P450, donc qui sont des enzymes de phase 1, des enzymes du métabolisme de phase 1, la majorité des médicaments sont métabolisés par le 3,4 et le 3,5, CYP3,4 et CYP3,5. Mais concernant les psychotropes, on retrouve en priorité les gènes CYP2D6 et le gène CYP2C19, suivis par les gènes 3,4 et 3,5, et enfin le gène CYP1A2. À côté de ça, il y a des gènes d'intérêt qui se manifestent donc dans le transport via donc la péglicoprotéine. Donc, ce sont donc des gènes, des protéines qui sont situées donc au niveau de l'absorption et au niveau de l'élimination de ces médicaments, avec un certain nombre de médicaments substrats donc de cette PGP, pour lequel donc il y a un polymorphisme génétique retrouvé au niveau du gène donc ABCB1, mais il n'y a pas de recommandation d'utilisation donc en routine hospitalière de recherche de ces variants, et on le fait uniquement dans un cadre de recherche. Alors, la pharmacocinétique des médicaments d'intérêt dans le cadre donc de la schizophrénie, on retrouve donc les principaux médicaments, donc à part l'amisulpride qui n'est pas métabolisé par des cytochromes P450. Nous avons donc l'aripiprazole par le 2D6 principalement, la clozapine 1A2 de C19, l'haloperidol 2D6 3,4,3,5, l'olanzapine 1A2, la quetiapine 3,4,3,5, la risperidone 2D6. Nous avons ces mêmes profils donc pour la pharmacocinétique, donc le métabolisme des médicaments dans le cadre donc de la dépression, avec donc je passe le détail, mais comme vous pouvez le voir, donc une majorité de médicaments qui sont quand même métabolisés par les cibles 2D6 et 2C19, et nous reprendrons ce métabolisme lors des exemples que je vous montrerai donc que je vous montrerai plus loin. Pour continuer, il faut comprendre en fait, quand on parle donc de profil métaboliseur, comment on en vient à déterminer, à prédire un phénotype sur la base donc du génotype. Donc, lorsqu'on fait des analyses de pharmacogénétique, nous allons déterminer ce qu'on appelle un génotype, le génotype du patient. Donc, c'est une analyse donc constitutionnelle, donc c'est acquis, donc ça ne change pas au cours du temps. Et en fonction donc de ce génotype, il va y avoir un niveau d'expression de la protéine, et en fonction de ce niveau d'expression de la protéine, on en prédit un phénotype.
Donc, on va dire qu'environ 80 à 90% des patients présentent donc un gène fonctionnel, c'est-à-dire ne présentent pas de variants, donc ont une protéine active et sont considérés comme des métaboliseurs qui sont des métaboliseurs extensifs, donc ce qui représente la majorité donc des patients. Nous pouvons avoir donc des métaboliseurs donc intermédiaires qu'on appelle aussi des métaboliseurs donc limites, c'est-à-dire qu'ils vont avoir donc un gène fonctionnel, un allèle fonctionnel et un allèle à fonctionnalité réduite ou un allèle à fonctionnel non fonctionnel. Donc ça, ce sont des patients métaboliseurs donc intermédiaires qui représentent environ 15-20% de la population. Et vous avez ce qu'on appelle les métaboliseurs extrêmes. Donc, quand on parle de métaboliseurs extrêmes, on parle des métaboliseurs donc ultra rapides qui représentent à peu près 7%, 3% de la population générale. Donc, ce sont des patients qui vont avoir des duplications au niveau de leur gène et par conséquent, ils vont métaboliser beaucoup plus qu'un patient donc métaboliseur normal. Donc, on dit qu'ils sont ultra rapides. Et à côté de ça, nous avons les métaboliseurs qui sont lents, pour lesquels donc on retrouve des variants qui impliquent donc qu'on va avoir une absence de protéines, puisqu'on va avoir un gène qui est non fonctionnel. Par conséquent, là, on a environ 7 à 10% des patients qui vont être métaboliseurs lents. Bien entendu, ces pourcentages vont dépendre du gène et nous allons en rediscuter par rapport au CYP de D6 et au CYP de C19. Alors, quel est l'impact et quelles sont les conséquences cliniques de la présence d'un variant sur la clinique donc du patient? L'intérêt et l'impact va être pertinent et important à prendre en compte lorsqu'il s'agit donc de médicaments à index thérapeutique étroit. Qu'est-ce que l'index thérapeutique étroit? C'est-à-dire que c'est la marge entre l'efficacité et la toxicité, qui est une marge qui est réduite et qui fait que toute modification de posologie au sein de cette zone va faire que le patient va se retrouver soit rapidement en inefficacité, soit rapidement en toxicité. Et donc, si on tient compte des différents profils donc métaboliseur, eh bien nous allons avoir donc le cas général donc un métaboliseur extensif normal. Nous allons retrouver des concentrations plasmatiques dans la zone thérapeutique ou dans l'intervalle corrélé à une efficacité thérapeutique. La conséquence clinique sera effectivement une efficacité thérapeutique. Dans le cadre d'un patient métaboliseur donc lent, pour lequel on va avoir donc un gène non fonctionnel, une absence de protéines, sans adaptation de posologie, les concentrations donc de ces médicaments vont être, donc il va y avoir un surdosage. On va être au-delà, donc supérieur à la zone thérapeutique. Et quel est le risque? Eh bien, le risque, c'est d'avoir donc des effets indésirables et une toxicité. Dans le cas inverse, si on a un métaboliseur ultra rapide, les concentrations en médicaments vont être relativement basses, voire non détectables, ce qui fait qu'il y a un risque d'inefficacité thérapeutique sans adaptation de posologie. Donc là, c'est le cas, on va dire, général. Pour un médicament qui a donc un index thérapeutique étroit sans adaptation de posologie, c'est pourquoi on recherche ces profils. Alors l'intérêt donc en tant que gène d'intérêt, le CYP de D6, on recherche donc différents variants. Pourquoi? Parce que on a les quatre phénotypes métaboliques qui sont représentés. Parce qu'il s'agit d'un gène très polymorphe, avec plus de 110 variants qui ont été identifiés, qui peuvent potentiellement, dont certains,
impactent donc l'activité enzymatique. Et on a la possibilité donc d'identifier, de prédire le phénotype sur la base d'un calcul d'activité. Alors effectivement, quand on rend des résultats de génétique, de pharmacogénétique pour le 2D6, on indique quel est le profil métaboliseur et entre parenthèses, on met le score d'activité. Donc ce qu'il faut savoir sur ce score d'activité, c'est qu'en fait, chaque allèle a un score d'activité propre. À savoir que l'allèle 1, c'est ce qu'on appelle, c'est l'allèle sauvage. C'est celui qui code pour un produit actif, c'est l'allèle de référence. Et vous avez donc des allèles qui ont des activités réduites, donc un profil donc, qui va conférer des profils métaboliseurs plutôt intermédiaires. Et vous avez des allèles qui sont ce qu'on appelle des allèles nus, qui, donc des gènes qui confèrent donc un gène non fonctionnel avec un score d'activité à zéro. Et donc, lorsqu'on a notre génotype, vous voyez qu'on fait la somme en fait du score d'activité de chaque allèle et on a notre phénotype attendu. Donc soit ultra métaboliseur, donc supérieur à 2,25, métaboliseur extensif entre 1,25 et 2,25, métaboliseur intermédiaire et métaboliseur lent. Et donc c'est ce qui est rendu en termes donc de phénotype prédit, de phénotype attendu. Et là où la pharmacogénétique donc, prend son importance, c'est donc pour les métaboliseurs extrêmes en 2D6, c'est-à-dire les métaboliseurs lents en 2D6 pour un score d'activité égal à zéro, qui n'expriment pas et donc le risque, c'est un risque donc d'effet indésirable et de toxicité, et les métaboliseurs ultra rapides qui, au contraire, ont un risque donc d'inefficacité thérapeutique et donc d'où des recommandations d'adaptation de posologie pour les médicaments substrat de ce type de D6. Alors, on retrouve donc dans les recommandations le détail en fait. Vous voyez que pour le 2D6, on a 1 à 20% de la population des patients qui présentent un profil métaboliseur ultra rapide. Et 1 à 10% des patients qui sont métaboliseurs lents. Mais ça, c'est tout patient confondu, quelle que soit l'origine ethnique du patient. Si on regarde un petit peu plus en détail les différences interethniques dans la fréquence donc des phénotypes du type 2D6, on peut voir effectivement que le profil métaboliseur lent représente donc une fréquence donc de phénotype qui est donc d'environ 7%, donc métaboliseur lent chez les Caucasiens. Par contre, dans la population asiatique, on va retrouver principalement des patients donc d'origine asiatique et les métaboliseurs ultra rapides qui à peu près donc le même pourcentage de phénotype métaboliseur ultra rapide, quelle que soit l'origine ethnique, c'est effectivement ce qu'on retrouve le moins. Alors maintenant, le CYP2C19. Donc le CYP2C19 est également un gène qui est relativement polymorphe avec plus de 30 variants alléliques qui sont connus, avec notamment donc là une analyse qui est plus ciblée. Autant sur le 2D6, on a un panel et on regarde, alors on ne regarde pas le gène entier, on a quand même, on fait une analyse par panel, mais c'est une analyse ciblée sur des allèles qui ont montré vraiment un impact sur la pharmacocinétique des médicaments. Sur le 2C19, on ne recherche que trois variants. Deux variants qui confèrent un profil métaboliseur lent, l'étoile 2, l'étoile 3, et un variant qui confère au contraire un profil métaboliseur ultra rapide. Et vous voyez que on retrouve principalement des métaboliseurs lents dans la population asiatique, et par contre, 20% des patients caucasiens présentent, de la population caucasienne présente un métabolisme donc ultra rapide en 2C19. Et le 2C19 est donc, il y a
de nombreuses études qui ont montré donc l'impact de ce cycle de C19 sur la pharmacocinétique des antidépresseurs, principalement tricycliques, dont on verra les exemples après. Donc, pareil, le profil avec donc les différents exemples donc d'haplotypes, de génotypes, hein, et le pourcentage, donc 2 à 5% de métaboliseurs ultra rapides, 2 à 30 de métaboliseurs rapides, les métaboliseurs normaux, la majorité, intermédiaire et lent. Donc ça, c'était vraiment pour vous présenter un petit peu comment on définit, en fait, sur la base du résultat brut dont on dispose, comment, à partir donc d'un génotype, on détermine, que ce soit pour le cycle de C19 ou pour le cycle de D6, le profil métaboliseur, c'est-à-dire le renseignement, le phénotype prédit qui nous intéresse pour la suite. Et donc, sur ce, on a donc des recommandations nationales, des recommandations internationales. Bon, pour ce qui est donc de la FDA, il y a donc dans leurs recommandations, recommandations pharmacogénétiques pour un couple gène-médicament. Donc, c'est vraiment associé un gène à un médicament. On a donc 63% des recommandations qui sont pour limiter donc une toxicité contre seulement 37% qui concernent donc des recommandations concernant l'efficacité. Pour ce qui est de nos interprétations, nous, on se base donc sur un site qui est mis à jour régulièrement. Et là, j'ai encore pris des exemples aujourd'hui qui avec des recommandations qui datent pour les dernières de 2022, sur lequel donc on a à disposition ben, le métabolisme et les recommandations en fonction des différents profils. Alors pour commencer dans les exemples, je vais passer relativement vite puisque on fera donc par la suite une synthèse de ces recommandations. Donc tout d'abord pour la pharmacogénétique des antidépresseurs tricycliques, donc la clomipramine et la mitriptyline principalement. Vous pouvez voir donc qu'il y a un métabolisme médié donc par le 2C19 principalement, mais également le 2D6 pour la mitriptyline également, 2C19, 2D6, d'où des recommandations d'adaptation de posologie, soit que sur le 2D6, soit que sur le 2C19. Et pour la mitriptyline, on a eu dernièrement des recommandations d'adaptation sur l'ensemble, donc 2C19 et 2D6 en fonction des deux profils. Alors pour vous montrer l'exemple donc de la clomipramine chez les patients donc qui sont métaboliseurs donc ultra rapides, ça dépend de la recommandation donc dépend de l'indication. Donc si c'est une dépression, il n'y a pas d'action requise. Si c'est un trouble obsessionnel convulsif ou des désordres donc de l'anxiété, il est conseillé chez les patients donc métaboliseurs ultra rapides d'éviter la clomipramine et de préférer donc un antidépresseur qui n'est pas métabolisé par le cycle de C19 ou qui est moins métabolisé par le cycle de C19, c'est-à-dire qui inclut d'autres cytochromes P450, donc notamment la fluoxétine, la fluvoxamine, la paroxétine, pour lequel qui sont principalement métabolisés par le 2D6. Si effectivement cela n'est pas possible d'éviter la clomipramine, eh bien on adapte en fonction des concentrations plasmatiques de la clomipramine et de la desméthylclomipramine. Donc voilà pour la clomipramine. Nous avons donc ce qu'on appelle les CPIC, hein, donc c'est les Clinical Pharmacogenetic Implementation Consortium Guidelines, qui sont les recommandations internationales qu'on retrouve donc sur ce site PharmGKB. Pour lequel, donc là, on a des recommandations pour les antidépresseurs tricycliques, quels qu'ils soient, sur la base du 2C19, avec effectivement donc le fait, comme précédemment pour la clomipramine, le fait donc d'éviter ces antidépresseurs et de préférer donc d'autres antidépresseurs qui ne sont pas métabolisés
ou moins par le CYP de C19. Pareil pour les métaboliseurs, donc métaboliseurs lents en CYP de C19. Si ce n'est pas possible d'avoir une alternative thérapeutique, eh bien on considère 50% de réduction du traitement et on utilise le suivi thérapeutique pour adapter la posologie. Si on regarde le 2D6, c'est à peu près donc les mêmes recommandations. Et pour ce qui est donc de l'amitriptyline, on a d'un côté le phénotype de D6, de l'autre le phénotype de C19, et des recommandations qui vont tenir compte des deux phénotypes prédits. Donc si on prend par exemple le 2C19 métaboliseur lent avec un profil 2D6 normal, on retrouve cette recommandation donc d'éviter l'amitriptyline ou de réduire de 50%. Donc ça c'est voilà, mais on a également donc pour des métaboliseurs intermédiaires des réductions à 25% de posologie. On a donc plusieurs types de recommandations qui tiennent compte des deux phénotypes. Donc là, c'était voilà, j'avais pris l'exemple de métaboliseurs lents en 2D6 et normaux en 2C19. Pour ce qui est donc du citalopram, donc le citalopram, vous le voyez, est métabolisé principalement par le 2C19 et le 2D6 et le 3-4. Et nous avons donc des recommandations d'adaptation de posologie sur la base du CYP de C19. Alors, il n'y a pas de recommandation d'adaptation de posologie sur la base du CYP 2D6 parce que le CYP 2D6 vient en on va dire en seconde position. Donc c'est le 2C19 qui est le cytochrome P450 qui intervient principalement dans le métabolisme du citalopram. Et là, il y a des recommandations d'adaptation de posologie chez les patients qui sont métaboliseurs intermédiaires, chez les patients qui sont métaboliseurs lents et en fonction également de l'âge. Donc, des adaptations qui tiennent compte non seulement du profil métabolique, mais également de l'âge du patient. Pour ce qui est de la valafaxine est principalement métabolisée par le 2D6, donc en métabolite actif, l'O-desméthylvalafaxine, pour lequel donc nous retrouvons, alors c'est effectivement petit, mais il faudra réduire tout ça pour que ce soit plus compréhensible. Et nous avons donc des adaptations et des alertes en fonction donc des différents profils, métaboliseurs ultra rapides, intermédiaires et lents. Sur le fait que il est possible chez les métaboliseurs ultra rapides, donc en cas de besoin, ben, d'augmenter la posologie de 150% de la dose standard et de suivre par rapport au suivi thérapeutique ou de préférer des médicaments donc qui ne sont pas principalement métabolisés par le CYP de D6. Pour les intermédiaires et les métaboliseurs lents, on retrouve la même recommandation où on recommande donc d'éviter la valafaxine et de préférer donc un médicament non métabolisé par le DD6 ou moins métabolisé par le DD6. Ensuite, donc, nous avons l'aripiprazole qui est également métabolisé par 2D6, 3-4 et 3-5, pour lequel nous avons des recommandations donc d'adaptation de posologie uniquement chez les métaboliseurs lents en 2D6, donc pas plus de 10 mg par jour, 300 mg par mois, c'est-à-dire donc 67 à 75% de la dose maximale d'aripiprazole. Donc, vous voyez que en fonction du médicament, on n'a pas forcément des adaptations de posologie. Là, clairement, sur les métaboliseurs donc ultra rapides, on n'a pas d'action donc qui est nécessaire parce qu'il n'y a pas suffisamment, donc dans ce cas-là, de preuves
qu'il y ait une augmentation du risque d'inefficacité thérapeutique, étant donné qu'on a une diminution effectivement de la concentration plasmatique, donc aripiprazole et son métabolite, mais qu'il n'y a pas forcément d'impact au niveau clinique. Donc, ça dépend vraiment du médicament, ces recommandations dépendent vraiment du médicament lui-même. Pour ce qui est donc de la quétiapine, on n'a pas trop parlé des 3, 4, 3, 5, mais il y a donc des recommandations donc d'adaptation de posologie sur la base donc du 3, 4 et essentiellement du 3, 4, pour lequel donc chez les patients qui sont métaboliseurs lents en 3, 4, il est recommandé donc de choisir une alternative dans le cadre de la dépression et sinon donc d'utiliser 30% de la dose standard. À savoir que ce n'est pas recommandé, mais ça a été décrit donc dans des études, c'est que la quétiapine est métabolisée également par du 2D6 et il a été montré que chez des patients qui sont métaboliseurs donc ultra rapides en 2D6, des augmentations de posologie, notamment jusqu'à 1200 mg de quétiapine, ont permis d'atteindre des concentrations plasmatiques de quétiapine corrélées donc à une efficacité clinique sans avoir de toxicité. À ce jour, ces recommandations sur le 2D6 ne sont pas sur PharmGKB, mais on sait de par des articles donc par de la littérature, en pratique clinique, en pratique hospitalière, ça peut être une alternative d'augmenter la posologie de quétiapine si ce médicament convient au patient, voilà, sans risquer donc avoir une balance bénéfice-risque en faveur donc du bénéfice en adaptant la posologie sur la base donc du profil phénotypique du 2D6. La loperidol, donc on a des adaptations de posologie donc chez les patients métaboliseurs lents avec l'utilisation 60% de la dose standard et également donc chez les métaboliseurs donc ultra rapides avec l'utilisation d'1,5 fois la dose standard ou une alternative thérapeutique. Pour ce qui est donc de la risperidone, également des adaptations, donc métaboliser la risperidone est métabolisée principalement par le 2D6 en métabolite donc actif, avec une alternative thérapeutique chez les patients métaboliseurs ultra rapides et l'utilisation de 67% de la dose standard chez les métaboliseurs lents. Et en cas d'effet indésirable, il y a possibilité également de réduire à 50%, donc une proposition de réduction de posologie dans un deuxième temps, notamment sur la base de la clinique et sur la base donc de la dose. En pratique, donc voilà un petit peu ces recommandations d'adaptation de posologie. Donc notre bon de demande qui est fait pour le panel pharmacogénétique des traitements psychotropes, un bon de demande donc dont vous disposez avec donc bon, l'état civil, le médecin prescripteur, le consentement bien entendu obligatoire, l'indication de la pathologie, les traitements en cours, les traitements envisagés s'ils sont connus, le contexte donc clinique à compléter et donc généralement pour les traitements psychotropes on fait donc le panel entier où vous voyez la détermination des différents allèles dont on dispose. À savoir que pour le gène CYP1A2, et on va en parler juste après avec la clozapine, c'est une information que l'on a sur la base de l'étoile 1F du CYP1A2, mais nous avons une mauvaise corrélation génotype-phénotype, ce qui fait que c'est une information dont on dispose, mais on ne l'utilise pas dans nos interprétations. On utilise le phénotypage et je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça, c'est les bons avec les consentements, attestations de consultation qui sont donc obligatoires pour toute analyse à caractéristiques génétiques d'une personne.
Les exemples donc de comptes rendus actuels, mais donc qui vont rapidement évoluer. Donc ici le PDF d'un compte rendu avec le détail donc du résultat brut hein, de l'allèle qui est présenté, le génotype, le profil, le score d'activité pour le 2D6 et l'impact sur donc l'instauration du traitement. Pour le 2D6, donc là, métaboliseur normal, donc c'est une posologie standard plus un suivi thérapeutique. Pour le 2C19, donc là, c'était un profil hétérozygote, donc un profil métabolisme rapide. Donc, on vous conseille une augmentation de posologie et un suivi ou une alternative thérapeutique, donc avec un suivi thérapeutique. Et pardon, je suis allée trop vite. Et ensuite, donc, le 3-4-3-5 avec métaboliseur normal et métaboliseur lent, qui fait que vous allez avoir donc des recommandations. Donc là, pas d'adaptation de posologie. Donc ça, c'est du général et c'est ce qu'on va faire évoluer, puisqu'après, donc, on part donc médicament par médicament. Et ce qui est repris dans les mails actuels que j'envoie, c'est la molécule avec le traitement en cours, le gène impliqué et la recommandation donc d'adaptation de posologie. Donc voilà pour la pharmacogénétique et principalement la pharmacogénétique des cibles 2D6 et 2C19. Et donc maintenant, on passe rapidement sur les particularités donc, du métabolisme de la clozapine, puisque donc la clozapine est un antipsychotique donc atypique utilisé donc dans les schizophrénies réfractaires. Il est principalement métabolisé par les cibles 1 à 2, 2C19 et 3-4 en un métabolite, donc notamment par le 1A2, donc en un métabolite qui est la norclozapine, qui est un métabolite potentiellement actif, donc qui est voilà, controversé, et N-oxydclozapine qui est inactif. L'intérêt donc de réaliser du suivi thérapeutique et on va voir du phénotypage du type 1 à 2, c'est que donc la clozapine a de nombreux effets indésirables, notamment donc une agranulocytose potentiellement létale et des effets indésirables dose dépendants, notamment donc des convulsions. Et là où on utilise donc le génotypage du 1 à 2, c'est qu'on a donc des recommandations sur PharmGKB qui nous dit que les patients qui sont métaboliseurs 1 à 2, métaboliseurs rapides en 1 à 2, ont plus de risques donc de convulser que des patients qui ne présentent pas ce profil, donc ce variant étoile 1F à l'état homozygote. Cependant, donc, le métabolisme donc, de la clozapine va être donc, très variable. Vous pouvez voir, c'est juste ici une étude qui vous montre la variabilité qu'on peut avoir donc, dans un seuil thérapeutique donc, entre 250 et 750. Vous avez une variabilité inter-individuelle qui est énorme. Et dans cette étude, il y avait une majorité d'hommes, ils étaient tous caucasiens, mais il y en avait moitié fumeurs, moitié non-fumeurs, des posologies donc très variables et donc des concentrations très variables. Et qu'est-ce qui fait qu'on a cette variabilité inter-individuelle? Eh bien, on a une variabilité d'expression et d'activité du CYP 1 à 2 qui est sur la dépendance donc de nombreux facteurs qui sont génétiques, mais également non génétiques. C'est-à-dire que donc le CYP 1 à 2, il est moins actif chez les femmes par rapport aux hommes. Il y a une forte inductibilité par le tabac, par les hydrocarbures. Il y a une inhibition par les œstrogènes et les contraceptifs oraux. Il y a des polymorphismes génétiques, mais qu'on ne recherche pas en routine hospitalière. Et en fait, ben, les facteurs génétiques, ils expliquent que seulement 20 à 30% de cette variabilité d'activité, qu'elle soit induite ou basale, donc du CYP 1 à 2. Donc, en conclusion, le génotypage n'est pas approprié donc en prédictif pour la clozapine, puisqu'on a cette mauvaise corrélation génotype-phénotype.
Et par conséquent, on préconise et on recommande de réaliser, dans le cadre de la clozapine, le phénotypage donc, du CYP 1 à 2, donc un test in vivo avec donc, le test à la caféine, et en support donc, le suivi thérapeutique qui va permettre donc d'individualiser la thérapeutique. Et donc, pour finir en fait sur et pour ouvrir sur effectivement une prochaine présentation, la pharmacogénétique et se fait donc en support du suivi thérapeutique. Et à savoir que les tests donc pharmacogénétiques sont des adaptations qu'on préconise donc à être avant administration, avec donc du génotypage et du phénotypage, et que donc le suivi thérapeutique va nous permettre donc d'une part de ça va refléter donc l'influence des facteurs donc environnementaux et physiopathologiques. Ça va nous permettre d'évaluer une suspicion de non-compliance. Ça va nous permettre d'évaluer l'impact des interactions médicamenteuses, donc d'ordre pharmacocinétique. Et c'est réalisable, donc 4 à 5 demi-vies, donc environ pour la majorité des médicaments, 5 à 7 jours après une adaptation de posologie ou après une initiation de traitement. Et ça peut être donc répété pour pouvoir adapter le traitement. Et donc, nous avons des recommandations également sur ce suivi thérapeutique, des recommandations donc d'adaptation de posologie que vous retrouvez donc dans les comptes rendus. Voilà, donc en pratique, ça c'est le bon effectivement donc de la plateforme de chromatographie et spectrométrie de masse, donc la plateforme PRISM, pharmacologie et toxicologie, sur lequel il faut compléter l'identité du patient, du prescripteur, du préleveur, date et heure d'administration, date et heure de prélèvement. Et date et heure donc de dernière administration, ce qui nous permet de déterminer le temps de prélèvement, ce qui nous sert pour conclure et pour interpréter nos résultats, puisque les valeurs que je vous ai présentées juste avant, donc les intervalles thérapeutiques qui sont corrélés à une efficacité clinique, sont pour des concentrations plasmatiques réalisées donc en résiduel, c'est-à-dire juste avant la prise suivante. Alors, bien entendu, les temps intermédiaires sont interprétés puisqu'on essaie d'anticiper le résultat sur le résiduel. Mais dans la mesure du possible, il faut réaliser un prélèvement au plus proche donc de la prise suivante. Et sur la deuxième page, vous avez donc la liste des psychotropes et également du phénotypage du CYP 1 à 2 qui regroupe donc dans le cadre du suivi thérapeutique actuellement 26 molécules métabolites compris voilà qui permet donc un panel assez large de dosage en complément donc de la pharmacogénétique. Et comme il s'agit de techniques en fait comme il a été dit précédemment, de techniques simultanées, eh bien, on peut avoir la possibilité, notamment, d'identifier la prise d'autres médicaments ou molécules qui n'auraient pas été demandées dans un cadre de suivi thérapeutique. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Sylvie. J'aurais quelques questions si tu es d'accord. Bien sûr. Je vais arrêter le partage, comme ça on se voit. Merci beaucoup, c'était passionnant. J'ai appris plein de choses, comme quoi à chaque fois qu'on réécoute, on apprend des nouvelles choses. Alors, c'est pour donner une occasion de faire passer des messages cliniques aussi, donc de resynthétiser des choses que tu as présentées. Donc en fait, est-ce que tu peux nous redire finalement quelles sont les mutations les plus fréquentes dans la population caucasienne que l'on trouve, hein, tu les as présentées, mais c'était pour que tu puisses les redire, pour que donc ça Alors, nous rappelle en fait l'intérêt aussi de faire ces dosages, parce que c'est extrêmement fréquent, hein, tu as cité plusieurs chiffres.
Voilà, donc effectivement, dans la population caucasienne, bon, dans tous les cas, ce qu'on retrouve, à part pour le CYP3A5, mais dans la population caucasienne, on retrouve principalement donc des métaboliseurs normaux, que ce soit donc en 2D6, 2C19, et on va retrouver, et en 3A4 également, et ensuite, on va retrouver principalement des métaboliseurs lents. Dans la population caucasienne, en 2D6. Et en 2C19, on va plutôt retrouver des métaboliseurs donc ultra rapides. Alors, c'est voilà, c'est de l'ordre effectivement de 20%, hein, mais c'est ce qu'on retrouve principalement. Alors, pour le 2C19, il y a en fonction des médicaments un rapprochement entre le métaboliseur rapide, c'est-à-dire un seul allèle étoile 17, et le métaboliseur ultra rapide, c'est-à-dire donc les deux, la présence du variant à l'état homozygote. Et en fait, selon les médicaments, soit ces deux profils sont réunis en un et on demande une alternative, on recommande une alternative thérapeutique, soit eh bien, le rapide, on va pouvoir adapter la posologie. Le fait d'augmenter la posologie va suffire. Et par contre, l'ultra rapide, généralement, on considère une alternative thérapeutique. Donc, il y a aussi des petites subtilités au sein même des phénotypes prédits et des médicaments en fonction donc de l'impact. Et ça, ben, ça évolue un petit peu parce que ça, il y a quelques années. Ben, par exemple, donc un profil qui était étoile en 2C19, qui était étoile 2, étoile 17, donc c'est-à-dire un gène, enfin un allèle qui confère une déficience et un allèle qui confère une surexpression, eh bien, on mettait dans nos comptes rendus phénotype prédit indéterminé. Parce qu'on n'avait pas l'impact de l'étoile 2 versus l'étoile 17, dans quel sens ça allait. Et en fait, à l'heure actuelle, maintenant, on sait dans les recommandations que l'étoile 2, étoile 17, c'est un profil intermédiaire parce que l'étoile 2 a plus d'impact que l'étoile 17. Donc aussi, on va dire que nos recommandations ont évolué par rapport à ce qui était fait il y a quelques années. C'est pareil pour le 2D6, parce que pour le 2D6, là, dans le tableau que je vous ai mis, c'est des recommandations, donc c'est les scores d'activité qui sont de 2019. Et dans ce tableau, il y a l'allèle 10 qui apparaît du 2D6, et l'allèle 10, jusque-là, il avait un score d'activité qui était de 0,5. Et en fait, ils se sont aperçus que ben, par rapport à d'autres allèles qui avaient un score d'activité de 0,5, il avait une activité qui était plus réduite que les autres. Et donc, du coup, ils ont réattribué un score d'activité donc à 0,25, ce qui fait que tous les profils, les quatre profils, ont un petit peu ont été un petit peu différents. Les zones, les intervalles ont été différents par rapport à ce 2D6 étoile 10 qui a un score d'activité plus faible que ce qu'il était. Donc, potentiellement, un patient qu'on a identifié comme métaboliseur normal, parce qu'il avait un étoile 10 et que ça faisait un score d'activité à 1,5, eh bien, il passe à 1,25. Alors, il reste, pour cet exemple-là, dans la zone métaboliseur normal extensif, mais il y a certains profils comme ça qui ont switché de profil quoi lié à la présence de stallèle. Donc les recommandations évoluent. C'est pour ça que nous on est régulièrement sur FarmGKB de façon à faire aussi évoluer donc nos comptes rendus et nos voilà. On met systématiquement dès qu'on voit. Donc là en repréparant, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles recos qui dataient voilà de 2022. Donc est-ce qu'on les avait déjà? Qu'est-ce qui a changé par rapport à 2022 sur certaines molécules? Donc ça se voilà ça évolue. Super. J'ai noté, je crois qu'il manque la vortioxétine dans votre liste de cases à cocher, qui est un antidépresseur récent. Dans ce que tu as Ouais. présenté, là, je crois que ça n'apparaissait pas. Je ne sais pas si on l'a ou pas.
Là, je l'ai pas. La virtoxectine, ben, il faudra que je la rajoute. Elle est dans la liste? C'est dans ouais, un antidépresseur. Alors, c'est plus ISRS maintenant, c'est un inhibiteur de sérotonine, mais élargi des récepteurs de la sérotonine. Ah Donc, voilà, le voilà le Brintellix. Brintellix. Ben, je crois que c'est du 2D6. D'accord. Donc ça, ben oui, de toute façon, ça, on va le mettre à jour et puis on tiendra compte de la liste qu'on a là. Parfait. Et je voulais revenir sur l'histoire du phénotypage de la clozapine. Donc, est-ce que ça n'est fait que pour les patients qui ont de la clozapine? Parce que nous, ça peut nous intéresser pour tous les patients qui ont des schizophrénies, parce que potentiellement, un jour, ils peuvent être sous clozapine, même s'ils ne l'ont pas déjà été, qu'ils n'en ont pas actuellement. Est-ce que ça, c'est quelque chose, finalement, donc tu as bien expliqué que le génotypage ne servait à pas grand-chose, parce qu'il n'était pas fiable. Donc, est-ce que on peut aller directement au phénotypage et systématiquement, ou est-ce que c'est quand même réservé qu'aux personnes qui ont de la clozapine? Comment ça se Ah passe non, dans non, parce qu'il y a l'olanzapine aussi, il y en a d'autres également qui sont métabolisés donc par la. Le Par le CYP 1 à 2. Et en fait, le phénotypage, il est donc on n'a pas de recommandation d'adaptation de posologie sur la base du phénotypage du CYP 1 à 2, mais ça nous donne donc, que ce soit pour la clozapine ou pour tous les médicaments substrats du 1 à 2, une indication effectivement pour dire bon, ben, potentiellement, vous conseille d'augmenter ou de diminuer. La difficulté, c'est de réaliser en fait le test de le phénotypage donc du 1 à 2 puisque bon ben, c'est un test donc in vivo avec donc des il faut tenir compte donc c'est un instant T donc le profil peut-être 2 ans ou 3 ans après il va pouvoir évoluer le patient il fumait il ne fume plus. Donc, ce qui est valable à l'instant T, il a des médicaments inhibiteurs du 1 à 2 à l'instant T. Son profil, effectivement, il est pour le moment. Mais 2 ans après, il a changé il fume plus ou il a plus d'inhibiteurs. Ben, son profil, il va changer. Donc, le prévoir trop à l'avance. C'est pas utile, d'autant plus que c'est réalisé, on en reçoit un et il est réalisé dans la foulée, c'est comme du suivi thérapeutique. Donc en fait, il est dans nos techniques de routine hospitalière et finalement, le résultat, il est rendu assez rapidement. Donc il vaut mieux pas l'anticiper, on va dire, trop tôt. Si potentiellement, voilà, il y a les inductibilités, l'inhibition qui peut faire que ben, le profil va. C'est déjà arrivé hein, qu'on ait des phénos qui dataient de 2018-2019, qu'on a refait en 2022 et qui potentiellement ont un peu évolué. Donc en pratique, comment ça se passe pour un patient où on vous envoie un bon, où on a coché ou pas d'ailleurs le phénotypage 1 à 2 et qui a ou pas de la clozapine? Alors il y a plusieurs situations. C'est par exemple, si on a un patient qui est sous clozapine ou olanzapine et on oublie de cocher le phénotypage, là je pense que vous le faites quand même parce qu'il y a une indication. Alors non, parce qu'en Non? fait, c'est une technique à part. Ouais, donc il Pas faut une quand même bien le technique cocher. de. Mais non, parce qu'en fait, il y a tout un protocole pour le CYP, pour le phénotypage, parce qu'il y a un protocole déjà 36 heures avant où le patient ne doit pas boire de café, les boissons énergisantes, le coca. Donc il y a des restrictions alimentaires 36 heures avant. Donc, et surtout pas de caféine, bien entendu. Donc, il y a un prélèvement qui se fait à T0, avec donc où on vérifie que le taux de caféine et le taux de paraxanthine est bien non détectable. Et ensuite, donc, il y a une administration d'ampoules de caféine, c'est des ampoules Cooper de caféine. Enfin, il y a la quantité sur le protocole. Et de là, on fait un prélèvement donc 4 heures après. Et nous, on va donc identifier le taux de caféine, le taux de paraxanthine
Et on va faire un ratio par xanthine sur caféine. Et c'est en fonction donc de ce ratio qu'on va identifier un profil plutôt lent, plutôt normal, ou plutôt métaboliseur rapide. Donc en fait, il faut que ce soit des prélèvements, il faut l'anticiper, il faut le prévoir. Et c'est la difficulté qu'on a à faire des phénotypages chez les patients donc, de psychiatrie, c'est surtout ces restrictions alimentaires dans les 36 heures qui précèdent les prélèvements. Ok, bah merci beaucoup, c'est très éclairant. Je ne sais pas si Christelle Andrieux, tu avais des questions, tout était très, très clair. On va digérer ça un peu. Est-ce que tu peux juste nous remontrer les deux tableaux avec les médicaments et leur substrat, donc les antipsychotiques et les antidépresseurs, parce qu'on est passé Alors. rapidement dessus. C'était deux diapos que tu as présentées en milieu de présentation. Je vais hop partager, tac tac tac. Voilà, c'est ça. Voilà, Hop. voilà. Donc, Voilà, ça c'est les ouais. antipsychotiques. Donc Donc, effectivement, il est représenté ici la PGP, mais le gène ABCB1, on le fait pas, on le fait pas en routine. Il est dans nos panels. Donc à savoir que au niveau technique, donc on a ce qu'on appelle donc un panel de gènes avec des cibles, c'est-à-dire que en fait, donc c'est du séquençage haut débit. Donc on a une librairie donc de gènes qui est inclus donc et qui va être séquencée donc en même temps. Et ensuite, il y a une analyse bioinformatique qui se fait sur nos cibles. C'est donc vraiment quelque chose. On regarde pas tout le gène entier. Donc le 2D6, on a une dizaine d'allèles, de variants. Le 3-4, on en a deux. Le 3-5, on en a deux. Le 1-2, on en a un. Le 2C19, on en a trois. Et le 2C9, on le fait pas parce que il n'y a pas de recommandation en psychiatrie. Et donc ce qui veut dire que potentiellement ces informations, donc on les a. Et quand on a d'autres médicaments autres que des médicaments psychotropes qui sont métabolisés par le 2D6 ou le 2C19, peu importe, eh bien on peut aussi proposer des adaptations et des recommandations en fonction des médicaments. Je mets par exemple le 2C19. Nous, on a des demandes dans le cadre de la transplantation et des réas, donc par rapport au voriconazole. Donc, il y a des recommandations d'adaptation de posologie pour l'antifongique, donc pour le voriconazole qui est principalement métabolisé par le 2C19. Des patients qui potentiellement sont greffés, eh bien, on peut donner le profil 3-4, 3-5 du patient pour pouvoir adapter les doses de l'anti-rejet du tacrolimus. Donc Donc, là, quand on voilà. voit voie métabolique majeure, ça veut dire donc que s'il y a une mutation, ça va impacter de façon importante le taux plasmatique du médicament, on est OK. Hein? Et donc pour la clozapine, ça veut dire qu'il y en a déjà au moins quatre qu'on voit ici, dont une qu'on ne dose pas, et le CYP1A2 dont il faut faire le phénotypage, donc ce qui est compliqué, ce qui peut Exactement. être compliqué. Donc en fait, on n'en a que deux sur les quatre pour interpréter vraiment en fait en routine actuellement s'il y a un risque pour la clozapine à être métabolisée différemment. Et donc ce que tu disais, c'est que le 2C19, donc ultra rapide, c'est 20% dans la population générale caucasienne, mais potentiellement ça peut être beaucoup plus chez nos patients à nous parce qu'il y a un biais d'adressage, puisque donc les gens viennent chez nous surtout pour des problèmes soit d'effets indésirables ou de manque d'efficacité. Donc c'est probablement beaucoup plus important chez les patients qui viennent nous voir. Donc ça renforce encore plus l'intérêt de le faire. Oui, après, bah, par exemple, la clozapine, on a le profil de C19. Potentiellement, avec le profil de C19, eh bien, on va dire c'est un profil plutôt lent, enfin, un profil lent, un profil ultra rapide. Mais si à côté, on n'a pas le phénon 1A2,
On ne pourra pas proposer d'augmentation ou de diminution de posologie. On va dire se référer au phénotypage 1 à 2 ou au suivi thérapeutique de la clozapine pour adapter la posologie. Parce qu'à lui seul, en fait, il ne va, il est, le, les données sont insuffisantes et comme il intervient que secondairement après le 1 à 2, c'est le 1 à 2 qui prime et on ne va pas pouvoir identifier un profil, enfin identifier, proposer une adaptation de posologie que sur la base du 2C19 pour la clozapine. D'accord. Est-ce qu'on peut voir les antidépresseurs? Voilà, super. Donc, effectivement, on voit qu'il y a quand même beaucoup. Donc, le Il y a beaucoup de... 2C19, là, ça concerne surtout. Donc, ce qui est valable. Ah oui, donc je vois qu'il y a une différence entre le citalopram et l'escitalopram. Est-ce que c'est. Comment on explique ça? Puisque Ah l'escitalopram, ben, c'est mieux. parce que c'est la forme, en fait, ce qui est métabolisé, c'est le citalopram, en fait. D'accord. Donc, l'escitalopram est un dérivé. Je ne sais pas s'il est métabolisé directement ou C'est les pas. enantiomères normalement, Ouais, c'est donc les enantiomères. Donc, en fait, c'est le citalopram qui est métabolisé. Voilà, il n'y est pas là, l'escitalopram. normalement, le citalopram, c'est un mélange des citaloprames, enfin de la version D et de la version L. Donc, dans le citalopram, il y a de l'escitalopram. Donc, je ne sais pas. Ouais, non, parce que là, nous, sur les tableaux dont on dispose, effectivement, l'escitalopram, il n'est pas spécifié, en fait. Ouais. Donc, Parce que, ouais. on se base effectivement sur le citalopram. Il faudrait que je regarde s'il y a des études qui donnent plus de détails par rapport à l'escitalopram. Parce que nous, en fait, quand on fait le dosage, en fait, on mesure, que ce soit escitalopram ou citalopram, on mesure la molécule de citalopram. C'est ça. Voilà. Donc, Donc, en fait, ouais. sur la base, c'est cette molécule-là qui est métabolisée principalement par le 2C19. Donc, c'est pour ça que ça vaudra peut-être le coup de clarifier ça pour vérifier qu'il n'y ait pas un malentendu sur l'escitalopram. Parce que là, quand on Ouais. regarde le tableau, on a l'impression qu'il n'est pas métabolisé par les cytochromes, alors qu'en fait, c'est peut-être juste qu'il est superposable au citalopram, en fait, dans les études. Je pense que c'est superposable Ouais, au je pense aussi. citalopram. Peut-être que pour cette ligne-là, il faudra peut-être Après, je crois que je l'ai le. Si je vais revenir, mais je crois que dans l'exemple, il y a le métabolisme du citalopram. Oui, tu l'as montré, le citalopram, mais pas les citalopram. Ouais. Et je ne sais pas si c'est Parce que un nous, peu en pratique, on prescrit quasiment plus de différent. citalopram, on prescrit que de Les l'escitalopram, en fait. citalopram, parce que Ouais. là, Et effectivement, c'est il y la a le forme S, c'est ça. S-citalopram et le C'est ça. R-citalopram. Donc, l'escitalopram, c'est la forme S. Donc, La c'est forme celle S, donc en qui est fait, bien c'est ça. métabolisée. C'est C'est bien ça. celle qui est métabolisée, en fait. Donc, peut-être que dans le tableau, il faudra corriger, du coup. Oui, vous mettre citalopram et citalopram, effectivement. Et concernant les IRSNA, j'ai vu qu'il manquait la duloxétine aussi, qu'on a beaucoup prescrite chez nos patients. Ah, elle a la duloxétine, Ah, mais elle est mal sur classée. Alors, la elle est dans les ISRS alors qu'elle devrait être dans les IRSNA. Ah, ok. Ok, elle doit être sous la valafaxine normalement en fait. D'accord. Donc effectivement ça aussi c'est quelque chose, on voit qu'elle métabolise le 1 à 2, enfin que le 1 à 2 la métabolise, donc c'est des choses aussi auxquelles on est confronté assez régulièrement chez les Oui. patients qui sont sous du duloxétine. Et... 1 à 2, 2D6, mais il n'y a pas de recommandation d'adaptation de D'accord. posologie sur la base du 2D6. Ouais. D'accord, donc ça c'est important. Parce que j'avais vu quelque part que il y avait une histoire, mais ça, il faudra que je le retrouve, de 50% d'augmentation de taux de duloxétine, mais je ne me rappelle plus dans quel contexte. Alors, je ne sais plus si c'est les fumeurs, justement, avec ou diminution, je crois que c'est ça, c'est l'induction du 1 à 2 chez les L'induction fumeurs. avec le tabac, ouais, C'est qui, ça, qui oui, par diminue. rapport au 1 à 2, oui. C'est ça, qui diminue de 50% le taux Diminue. de duloxétine potentiellement. D'accord. Donc là, après toutes ces molécules, à part la gomélatine, on les dose tout en suivi thérapeutique, hein,
puisqu'on a rajouté, on est en train de finir les validations de la sertraline pour ce qui est là, qu'on n'avait pas. Non, la paroxétine aussi, puisqu'on avait la fluoxétine, mais on n'avait pas la paroxétine. Voilà, on a complété voilà notre panel. On a rajouté de toute façon donc, toutes les molécules. On a rajouté la siamémazine. On a rajouté la fluvoxamine, donc la sertraline, la paroxétine, le zuclopentuxol et une sixième dont j'ai oublié le nom et la loxapine. Voilà. D'accord, très bien. Ça fait partie des molécules rajoutées voilà, dans le panel de suivi thérapeutique. J'avais une dernière question, c'est est-ce qu'on a une explication au vu, alors ça concerne peut-être pas forcément la génétique, hein, mais qu'un antidépresseur puisse être efficace à un moment donné et ne plus l'être, hein, au cours d'un nouvel épisode, c'est-à-dire entre-temps, il y a eu une période d'arrêt, parce que rémission, et puis après reprise de l'antidépresseur, et là, au deuxième épisode, il n'est plus efficace, ça nous arrive souvent, et puis l'autre situation, c'est au cours d'un même épisode, il est efficace, puis après, il perd son efficacité. Est-ce que c'est des mécanismes génétiques qui sont en jeu avec un gène Non. multidrug resistance, ou est-ce que c'est autre chose? Non, ça peut être effectivement potentiellement des peut-être des enfin plutôt pharmacodynamiques en fait que pharmacocinétiques plutôt au niveau des récepteurs qui fait qu'il y a une différence d'expression et donc d'efficacité. Les récepteurs au niveau du cerveau, c'est ça? Oui, les récepteurs au niveau des voilà, de noradrénergiques, sérotoninergiques, etc. D'accord, donc c'est au niveau C'est ça qu'on central. n'exploite pas et c'est plus en fait de l'ordre de pharmacodynamie. Alors on a un peu tendance à dire que quand ça n'explique pas et ce n'est pas une cause génétique d'origine, en lien avec la pharmacocinétique, ça peut s'expliquer par la pharmacodynamie. Mais c'est vrai que en routine hospitalière, on n'étudie pas les gènes et les variants pharmacodynamiques. Super, ben Pourtant, merci. il y aurait du travail à faire dessus parce que il y a également des réponses au traitement, une variabilité de réponse au traitement par rapport à des variants identifiés sur des récepteurs. Donc, en lien avec la réponse pharmacodynamique. Un grand merci, Sylvie, pour cette présentation très complète, très riche. Voilà, on va méditer là-dessus. Voilà, dans un premier temps, ce qu'on va faire dans les meilleurs délais, c'est de reprendre effectivement toutes nos parce que là nos interprétations molécule par molécule et phénotype par phénotype, on l'a sous un format de fichier Excel et il faut qu'en fait on arrive à faire des tableaux de ces fichiers Excel qui permettront d'être plus clair, molécule par molécule et recommandation par recommandation.